Salut tout le monde! Donc voilà, je me présente, je m'appelle Diana Jérém a l'air Sept de te Cabal, parler de lui. bien sûr Comme de la première fois qu'ils sur ont travaillé Xbox. ensemble. Et donc je vais essayer de vous faire Ces la histoires première mission que je trouve, ils jouent. de Diana a Hitman l'air de te parler Absolution, de lui. un jeu qui me tient beaucoup à Comme cœur, de la première fois qu'ils ont travaillé ensemble. en difficulté extrême. Donc je garantis pas, c'est la première fois réellement que je teste les difficultés puristes. Je sais qu'elle est très difficile, d'où son niveau. Écoute-moi bien. Par contre, je vais Tu vas laisser. devoir être courageuse. Un homme va t'emmener. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Ici Benjamin Travis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Bonne chance, 47. Chef. Oui, une camionnette de glace. Oui, je sais. Oui, je le dirai. Hé hey. Fichez le corps, on a besoin de rien. Et votre collègue? Quel collègue? Alors on se retrouve sur la première mission, c'est-à-dire le prologue. Donc voici un peu le manoir où se situe Diana, avec la fille qu'on a vue tout à l'heure dans la cinématique. Et donc mon but ça va être de s'infiltrer dedans et d'aller tuer Diana. Donc à noter que quand vous le faites en dans les difficultés un peu plus simples, vous avez des indications qui apparaissent toutes les deux secondes. C'est même assez embêtant, mais... Il faut renforcer la sécurité à l'entrée du mur. Des caméras de surveillance. Hein? Donc il faut commencer par tuer celui-ci. On peut passer sans le tuer, mais moi je suis un peu un méchant. Enfin, même si je l'ai juste étranglé, je l'ai pas tué.
Donc je me rappelle plus réellement des touches, ça fait pas mal de temps que j'y ai pas touché. Enfin bon. Bon, j'avoue que je vais pas être réellement très bavard, c'est parce qu'on va dire que c'est ma première vidéo et j'ai pas encore la facilité des gens à parler en même temps de jeu. C'est toi le chef de la sécurité, si t'es pas au courant, qui n'est? Ok, si elle veut se la jouer. Donc là, faut attendre que lui se barre parce que sinon il va la. Il va dire que le spotel. Par contre, faut absolument que je retrouve comment se spawn parce que. Qui a balancé ça? Quoi de neuf, hein? T'es venu voir si j'allais bien? Hein? Non, je fais ma ronde, c'est tout. Ouais, ça va. On me la fait pas, moi. Ça me fait plaisir que tu t'inquiètes. Donc après avoir balancé le livre, on se retrouve ici à écouter les gens parler. Tu devrais laisser tomber ce boulot. Va plutôt construire. Si on était une agence de voyage, on n'aurait que deux destinations. La mort et la dépression. Voilà, donc on a fini la première partie. Je verrai si je vous fais une vidéo avec les divers... Et aller à la cuisine aujourd'hui. Les différents... J'ai l'impression que le chef s'est encore surpassé. Défi à tu vois, ce boulot à terminer chiant pour à mourir. Avoir pour moi, le service est nickel. Un score à 100% bien quoi. Bien sûr, ça c'est des gens qu'on n'est pas obligé de tuer, mais... Donc là, on va rentrer sur... Il y a des trucs très bien. Et même les services secrets, non, les jardiniers sont plus... Parce que je sais même pas du tout comment je vais faire. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec des gardes armés comme ça, juste derrière moi. Mais c'est quoi ce bordel? Et c'est qui cette femme? Aucune idée. Je l'ai vue qu'une seule fois et de loin. Elle est belle. Elle avait le regard, comment dire, le regard. Tu vois le genre? Philippe a dit qu'il avait vu une gamine. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire se protéger ou d'être un invité de Mademoiselle Bernoulli. Hein? Quoi? Et qu'est-ce que je fais si je veux aller aux toilettes? J'ai l'air d'être un agent d'accueil. Je fais qu'obéir aux ordres, hein. Et je vous conseille de faire pareil. Faites sur les plates-bandes, moi, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau chef de la sécurité? Il a l'air fiable. C'est un mec de l'Anglais. Il a travaillé comme garde du corps.
veux dire le gars de Stallion Armaments? Il a pas été assassiné, lui? Ouais. Donc je sais pas du tout comment gérer mon instinct, etc. Parce que comme je suis en puriste, je vois pas du tout combien j'en ai, etc. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Disons que ça va être dur, mais pour les premières missions, je pense que ça devrait passer. J'ai traversé l'enceinte. On a traversé la maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Bien. Entrez dans la maison et tuez Diana Burnwood. Quant à Victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux et à ceux de l'agence. Quoi ? C'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Alors c'est pas un cancer de la prostate ? Donc celui-ci, on peut le... Le tuer, c'est pas un problème. Et en temps normal, si vous le faites, vous devriez gagner un défi. Je crois que c'est Geronimo. Donc voilà, toujours à faire. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai un peu où sont les preuves, etc. J'essaierai de faire un montage, on va dire, assez rapide. Là, je vais juste me contenter de faire la mission en puriste, ça sera déjà bien. On va dire que pour moi, pour l'instant, cette première vidéo, ça va être plutôt un test plutôt qu'autre chose. Que il faut prendre des bases, etc. Mais oui, ça... Cette recette est un secret professionnel transmis de chef en apprenti depuis. Ça devrait être facile. J'emporterai le nom de l'ingrédient secret avec moi dans la tombe, mon bon monsieur. Voilà, faut attendre parce que le cuisinier fait un peu son... Non, non. Mais pour qui me prenez-vous? Du sel. Son assolant. Par pitié. Pour votre gouverne, je suis un des plus grands chefs cuisiniers de ce grand désert culinaire que vous appelez une nation. Vous autres, mettez du beurre liquide sur votre popcorn. Si vous pouviez mettre du sucre dans l'air, vous le feriez juste pour sentir le bonbon à chaque fois que vous respirez. Et vous osez faire des suppositions sur ma recette qui m'a valu tant de récompenses.